Et de retour sur Phoenix Wright, on va remettre sur un truc un peu prise de tête, mais light. Alors, le son du casque, c'est mort. Voilà. Ah, oui, ça. Quoi, tu vas t'évader de ta prison? Attendez. Oula, tout à fait que ça tombe. 2 secondes, j'ai envie de vérifier un truc. Est-ce que c'est déjà arrivé? Putain, c'était déjà arrivé. Un magicien s'évade d'une prison. Est-ce que c'est déjà arrivé? En 19... Attendez, ça m'intéresse. Soldat russe, alors déjà ça commence bien. En 1925, le magicien serrurier russe, je sais pas comment on dit, mais bon, je vais essayer, hein. Alenichensky s'évade 2 fois de la même prison. Soldat russe durant la Première Guerre mondiale, Basilin est un professionnel de l'évasion, emprisonné sur une île à Aix. Ses pieds et ses poings entravé à Guingamp, je sais pas. Quoi? Ah. Alexa, ça veut dire quoi Guingamp? Guingamp est un club de football fondé Alexa. En 1900. Chut. Je suis en stade, vous le savez, ta gueule, je dépense même plus. Rien à foutre. Alors attendez. Donc, comme une en France, Guingamp? Ah oui, mais je voudrais savoir si. C'est quoi cette phrase? À Aix, aux pieds et poings entravés à Guingamp. Je sais pas. Guingamp. Découvre le quatrième volet de notre série sur les évasions les plus incroyables. À la prison de Port-Saint-Ken-Guingamp, Côte d'Armor, les lourdes menottes et les entraves en fer se referment autour des poignets et des chevilles de Basile. Machin, voilà. Comme toutes les nuits depuis qu'il a tenté de s'évader. En ce soir du 15 septembre, l'opération est assurée par le gardien-chef lui-même. Le prisonnier de 33 ans est surveillé de près. La porte massive de la cellule numéro 12 se referme seule sur sa paillasse. Les chaînes comme compagne
Bon, Basile est isolé pour la nuit. À 21h, le gardien-chef effectue la première ronde. Un coup d'œil par le Judas. Rien à voir avec Jésus, hein. C'est juste, c'est. Vous savez, c'est grosso modo, c'est le truc avec lequel vous pouvez boire derrière la porte. Si vous avez un appartement, vous en avez. C'était où Judas? Hein. La vision déformée dans le ton atteste de la présence. Pour un passage à 1h du matin, le chef a laissé sa place à un surveillant. L'occupant de la 12 est toujours dans la cellule. Au petit matin, lors de la dernière ronde, les cellules sont ouvertes. La 12e, elle, n'a pas besoin de clé. Les deux verrous sont déjà écartés. Comment il a fait son coup? Déjà écarté à l'intérieur de la pièce sans vie. Basile s'est volatilisé par la grande porte descend derrière lui, bris de verre et menottes. Entre à vos pieds, le prisonnier est en cavale dans la nature bretonne. C'est normal en Bretagne. En Bretagne, il y a des Russes qui s'évadent de prison. En faisant des tours de passe-passe. Seulement quelques mois, il vient de signer sa quatrième tentative d'évasion. Est-ce que tu savais. Là, je parle à Kate. Est-ce que tu savais qu'un soldat russe en 1925, qui est aussi magicien, a réussi à s'évader pour la quatrième fois d'une prison bretonne? Après, j'ai envie de dire c'est normal en Bretagne, mais quand même. Un soldat russe dans les. Dans le passé. C'est pas mal quand même, hein, le mec. Évadé. Le prisonnier évadé. 10 personnes qui se sont évadées. Mais c'est plus des magiciens. Hein. C'est plus des magiciens. À ce stade, on a dépassé le niveau de magicien en fait. C'est. Les mecs. Tu sais, tu fais un RP, enfin tu fais un grand RP, tu sais, lui tu l'as en tant que voleur, hein, direct. Hein. Tu l'as en voleur, et tu t'en sers pour. C'est le voleur de l'équipe. Ne vous inquiétez pas, avec moi on va s'en sortir, pas de soucis. Je gère. Je peux ouvrir toutes les serrures. J'ai une compétence passive pour ça. C'est fou quand même. Tu sais, tu te dis. Enfin bon, on va revenir du coup à. On va revenir du coup à notre affaire de magicien tueur. Effectivement, il y a peu de chances de les convaincre. Oui, c'est bien ce que je disais, mais la prod est déjà en train de travailler. Si vous me faites pas vite sortir, il faudra que je prépare une vraie évasion. Vas-y, banco, vas-y, moi je veux voir ça. Le mec va s'évader de prison pour participer à une émission en direct. Je me demande où est passé Maximilien. Pas le contredire, c'est vraiment un clone ordi. Pourtant, t'as révélé que tu utilisais, enfin, t'as révélé que tu utilisais des fils pour voler. On a rencontré le funambule parce que je crois qu'il y a un funambule là-dedans et je vous avouerai que moi si je peux voir quelqu'un s'envoler le funambule me paraît être un bon premier suspect. Et on a vu qu'il pouvait y avoir des meurtres en groupe hein, avec la dernière affaire. Finalement, c'est bon, j'ai plus envie de le défendre, vous pouvez le condamner. Ah putain, il a mis. Il y a même des.
des bunny girls. Il y a un magicien dans le, enfin dans le jeu, en ayant gagné un grand prix, il a eu de la chance de pouvoir être escorté par deux bunny girls. Si je deviens un magicien de renom, il y a moyen que je sois escorté par deux Neko girls. Pas comprendre des trucs entre Green et moi, des fois je lui envoie des messages, il est en mode mais what? Fait pourquoi pour récompenser ton emmerdement, enfin le fait que tu m'emmerdes. Ouais, on est là que c'est important. Je soutiens que Von Karma, à mon avis, à se marier avec Phoenix Wright, c'est le seul qui pourra peut-être se porter. Formation secrète devant l'entrée du cercle. J'ai cru qu'il y avait un W à moi. T'as choisi frère Jacques.
Pinocchio va falloir songer à se réveiller, puis il n'y aura jamais un vrai petit garçon, enfin un vrai véritable homme. En canon, c'est pas un truc révolutionnaire. Après, c'est un peu compliqué parce que techniquement parlant, tu peux pas diviser ta voix en deux. C'est-à-dire que la marionnette parle, donc là, je parle pas. Tu vois, un ventriloque et sa marionnette peuvent parler en même temps. Enfin, le ventriloque peut diviser sa voix en deux et parler en même temps que la marionnette. Alexa, qui a écrit la chanson Frère Jacques? Traduit de discover.com. Frère Jacques, la belle marque Borrego est dans la tonalité de Sol. Ouais, voilà. Il s'est tapé le clown de merde. Non, parce qu'on est d'accord qu'il n'y a rien qui fait rire dans ces blagues. Oh, j'ai de la peine. J'ai vraiment de la peine pour Detective là. Voilà, j'avais plus rien à manger. C'est bon. Mais ces blagues sont merdiques. Attendez. Vous riez, on enchaîne deux i. J'apprends des trucs. Y'a pas deux i à vous riez. Nous rions, vous riez, il y a rien.
Putain, je découvre des trucs, je savais pas. C'est vraiment à l'imparfait, on écrit comme ça. Le monde. Non, déconne, je rentre. 2 secondes, je vais voir. Ça va, ça? Même lui m'a pas cru. Alors ça peut sembler con ce truc de partir pour genre et parler à son père qui est à côté et lui dire des trucs qu'on a découvert, mais moi c'est un truc que je faisais depuis déjà d'après mon père en tout petit. À chaque fois que je découvrais un truc, je venais lui en parler et finalement c'est resté être adulte. On va raviver des souvenirs. Ah ouais, ça peut donner des crampes et des maux de tête aussi. Voilà, ça c'est pour Gain. Ne gardez bien ça en tête. Une femme, vous lui donnez un fouet, c'est fini. On est tous en PLS, mec. Parce qu'elle veut ta mort. Et quand vous priez pour qu'elle ne se pointe pas, pouf, la voilà qui arrive. C'est quoi? C'est Bloody Mary? Ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas. Elle a du pas mal de remonter. Elle est juste au-dessus de nous. Comment ça, au-dessus? D'après les clowns, l'assassin a sauté d'ici et a disparu dans les airs. C'est vraiment ce qui s'est passé. Alors l'assassin est passé devant cette fenêtre. Logiquement, oui. L'acrobate. Ah non, c'est un acrobate pas un funambule, autant pour moi. Moi, je veux confronter mon karma, rien à foutre. Ah non, non, non. Franchement, moi j'y vais, tu sais, porte tes couilles, right. Une séance de détective privé, c'est que s'il n'a pas été allumé, c'est normal qu'il y ait de la neige qui s'est accumulée. J'ai même pas lu ce qu'il a dit, hein. C'est juste logique. Bah, du coup, il aurait dû faire éteindre la lumière. C'est complètement con. Ah, encore là-dessus, en fait, c'est les mêmes dialogues, ça me dit un truc ça. Mais qui c'est qui a un coffre en bois avec juste du poivre? C'est du poivre, hein? Poivre. Qu'est-ce que tu fous avec du poivre, mec? D'un moment, pose-toi des questions. Bah, je suppose de sa pitoyable existence, j'en sais rien. C'est une nouvelle blague et ça le fait rire. Putain, quand on arrive à un stade, tu te regardes dans un miroir et tu racontes tes blagues à toi-même pour rire. Ah oui, non, mais dans son vol. Pour les nuls. Da Vinci Gag, l'arroseur arrosé. Alors, le Da Vinci Gag, j'aurais peut-être pas tenté. Au bonheur des clowns, le grand classique, autant emporte. Autant emporte le vent, c'est devenir un nain. Peut-être y'a un sous-entendu, genre tu vas en train de faire un gueule. J'avoue que du coup t'as été un échec en absolument tout. Tu sais, il a littéralement trouvé le trampoline. Peut-être que c'est pas fait pour toi du coup.
parler avec l'esprit. Tu peux faire venir l'esprit de l'esprit, ce serait tellement bien si on pouvait interroger les morts. T'imagines le truc? Oh là là, qui nous a tué? C'est lui. Bon, fin de la personne. Monsieur le juge, l'esprit du mort nous a parlé et nous a pointé du doigt. Le ce témoin. Fin de l'histoire. D'éliminer le dialogue en fait pour pas que Georges ait l'impression que ça n'est rien de délaissé. Non. Alors la blondasse, t'es où? Non mais c'est pas une histoire de poule mouillée, ça s'appelle le darwinisme. Si tu veux, tu t'approches pas d'un tigre. Alors j'ai écouté une allergie très précise. Alexa, c'est quoi la différence entre une échelle et un escargot? Je sais, en gros, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question. Une échelle, il n'y a qu'une seule longue barre. Une échelle est le rapport entre la mesure d'un objet réel et la mesure de sa représentation. Elle est exprimée par une valeur numérique, généralement sous la forme d'une fraction point. Le terme escargot est un nom vernaculaire qui en français désigne des gastéropodes aquatiques. Alexa, c'est quoi la différence entre une échelle et un escabeau? J'ai trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question. Une échelle est le rapport entre la mesure d'un Alexa, objet réel. Ta gueule. En fait, c'est relativement simple. Une échelle, tu n'aurais que ça. Un escabeau, t'as les deux. C'est ça, hein, je suis pas fou. En tout cas, pour la première, je suis pas fou. Voilà, merci Akain. On peut pas simuler deux voix simultanément dans ventriloque. C'est là en fait où les lois de la nature s'entrechoquent. Ok. En fait, la nuance se joue ailleurs. Un escabeau, tu as des barres plates là où tu marches. À une échelle, non. Moi, je pensais que c'était juste le fait qu'il n'y ait qu'un seul truc. Mais en fait, non, non, non. Tu veux faire ton entrée quoi? Dans une gueule de lion géante? C'est un peu compliqué. Le rapport. C'est quoi le rapport entre le fait de pouvoir mourir à tout instant écrasé par des spots lumineux et des hamburgers? Effectivement, c'est vrai, on n'a pas vu le funambule. Et c'est un funambule ou un acrobate? Morbule. Tronçonneuse ensanglantée, faut la faire. Est-ce que tu pourrais pas trouver l'arme du crime? Et parce que tu la payes, c'est-à-dire qu'elle ne participe pas aux frais, et en plus, faut payer. Ah putain, ouais, tu te fais autant exploiter avec les femmes que moi. C'est fou. Ah oui, il y a un truc qu'on n'a jamais pu exploiter. Ça m'a dit. Tu sais ce que c'est qu'une petite pièce. Pour l'enquête.
Ouais, je me disais bien aussi. Par contre, ça me dit, là il y a la tenue de la victime, il y a un bout de papier dedans, tu sais, et genre quand tu interagis avec, Félix il dit, c'est pas bien de fouiller dans la poche des gens. Mais tu avais mis bout de papier écrit en rouge dans le dialogue. C'est que c'est important au bout d'un moment. Faut pas fouiller dedans. Mais si c'est une preuve, ouais, mais c'est pas bien de fouiller dans la poche des gens. Je crois pas que ça soit mal de fouiller dans les poches de la veste d'une personne déjà morte. Et je crois qu'on est là, tu fouilles pas le cadavre, hein, si c'est juste la veste. J'ai la flemme de cliquer pour mettre ce que je fais. Et bon, un poster de ta fille en grand, c'est normal. Vous voulez de l'action légale? Frisson assuré. Ouais. Vous écoutez au frisson du désespoir en enfonçant votre vieux slogan. Et avec ça, il est parti. Le Titanic après les mines d'air. Beden d'or, grand prix pour la génie. À jamais dans nos cœurs. J'ai eu des coupables. Mais en vrai, elle a raison, ça pourrait marcher, genre pour relancer la. C'est un bureau sentimental. Peut-être bah, ça devait être Max. Oui, mais là c'est pas voler un mort, non? Si même Kane commence à me contredire, c'est pas voler un mort. Le mort, il est déjà mort loin. Ça compte pas, si? Putain, si même lui il m'allume. Merde, j'ai trouvé. Il y a personne qui a passé le palais. Pourquoi le martien affamé tourne-t-il autour de la Terre? Attends, faut que j'immortalise ces conneries, moi. C'est comme ça, Kane partagera une part de mon désespoir. En termes de blague et d'humour. M'en fous, il va vivre mon désespoir. Maintenant, est-ce que tu comprends une part de mon désespoir? Je me coltine ces blagues de merde avec des jeux de mots pourris depuis le début de cette affaire. Ah putain, mais lui devrait être reconnu coupable pour blagues de mauvais goût. Après, deux débiles, c'est normal. Tribunal, mec, c'est bon. Thank you.
c'est bien. Et il est où ce buste? J'ai un problème toi je crois avec un buste. Parole que je peux m'expliquer. De rien. Thank you.
Putain, mais là ils ont réussi à les coller, c'est fou. Ah là, ça c'est un gilet irréfutable de ce qui s'est passé. Rendez-vous à 20h ce soir sur la place du foyer. Oui, mais en fait, moi. Pourquoi t'es aussi méchant? Elle est, elle est sympa, elle est pas méchante quoi. Juste elle est pas très très belle. Un crime d'être belle. Ça c'est le bruit de la mort ça. Ouais aussi. Attends, comment ça vient? Wow. Ah là ça. Quel rêve, j'ai rien fait putain. Les gens devant la terre entière, hein. C'est juste ils sauvent des vies, mais elle, c'est vraiment l'humiliation. Ah putain, moi je croyais que les... moi je croyais que les Anglais avaient inventé le seum, mais visiblement les Allemands c'est mieux. D'ailleurs, 18 ans. Son but me bat. Histoire de seum. D'accord, que elle, franchement, même aucun moyen pour que tu aies envie de l'avoir dans ton lit à moins que tu sois maçon. Ah, elle parle de l'autre là. Mais un truc que je pige pas. Il est mort machin là, Himmler Heinrich Manfred von Karma. Je parle bien son nom lui.
Alors. Putain, la gueule qu'il a, quoi. International, mort le 28 décembre 2016. Il est né en 51. 65, visage au revoir, incident, je sais pas. Décédé entre décembre 2016 et février 2019. C'est aussi visiblement les Japonais en termes d'estimation, ils sont un peu chelous, ou les Allemands. C'est jamais qu'il est décédé entre 2016 et 2019. Là déjà, t'as une grande fourchette. Violet foncé gris, blablabla. Faux, il n'y a qu'une seule chose que vous devez faire ici. Vous allez claquer votre marteau et dire le mot coupable, c'est votre rôle. C'est une réplique de Von Karma, qui était resté invaincu pendant 40 ans, ce qui lui a valu de nombreux prix de roi des procureurs. Tu sais, il y a un roi des procureurs. Avant de finalement rencontrer Phoenix Wright, il était le mentor de Miles Edgeworth, chargé de tout lui apprendre sur la poursuite jusqu'à. C'est qui, Miles Edgeworth? Ah, c'est Hunter, il s'appelle comme ça en version anglaise. Procureur. Ah, parce que sinon il s'appelle Hunter, donc en version française. Ouais, il y a eu tous les procès, je connais ça. Ok, d'accord, je suis désolé, je fais de l'investigation. Hein, chargé de tout lui apprendre à la poursuivre jusqu'en 2016. Il était également le père et le mentor de Francisca Von Karma. Pour toutes les affaires qu'il a prises dans ça, jusqu'à l'affaire du meurtre de Robert Hammond, une seule n'a pas été résolue. Tous les accusés qu'il a poursuivis ont été condamnés. Donc en fait, le mec, c'est la condamnation ou la mort. Alors, le 24 décembre 2000, lors d'un concours officiel organisé par Choisir, l'accusé est assassiné, Manfred. Et sera connu sous le nom d'assassinat. Comme le corps est une pièce accessible uniquement au maître, il a été raté pour le meurtre. Initialement, Rick Lasser était nommé principal. Il a été remplacé par Terry Bannon. Ok, d'accord. Oui, mais pourquoi il veut autant me casser les couilles? Toi et ton père et ma malédiction. Ton père m'a fait honte avec une pénalité sur mon casier. Et toi, tu as laissé une cicatrice sur mon épaule qui ne s'estompera jamais. Je vais t'enterrer à main nue. Décès, décès. Quoi? Il y a un délire, ok. C'est particulier. Manfred et Sévillan ont ensuite accompagné Maïs dans ce qui devait être son premier procès. L'accusé avait accusé le procureur d'origine de l'affaire d'être le grand voleur. Il... Okay. La chute. Putain, mais la gueule qu'il a, quoi. Manfred, tu sais, t'as vraiment pas envie de l'avoir, même comme. Je vais dire comme père, mais même comme mentor. Pour assassiner Hammond. C'était qui Hammond? Attendez, attendez. C'est qui Hammond? Robert Hammond. Parce que c'est ça bien que je pille. Robert Hammond. Tintin. Un avocat de défense anciennement employé dans le cabinet d'avocat de Marvin Grossberg. Son corps a été retrouvé après avoir été abattu par le procureur. Ça me dit un truc, Marvin Grossberg. Ah, c'était le mentor de Mia, je crois. Très cabinet d'avocat et une collègue de Mia Fey, c'est ça? C'était une collègue de Mia. Ah putain, victoire à la Pyrrhus, c'est pas bon ça. La victoire à la Pyrrhus, c'est vraiment un truc. Alors. Qu'est-ce que c'est? Parce que bon, mine de rien, c'est quand même un truc dont on se vante pas en général. Alexandre le Grand, c'était un grand conquérant. Déjà, je commence mal. Alexandre le Grand, c'était un. On est à peu près d'accord pour dire que c'était un grand conquérant. Hein. Bah, il se trouve que en fait, il était de la famille d'Alexandre le Grand.
C'est cousin d'Alexandre le Grand. Et en fait, lui gagnait des batailles, mais le truc qu'il avait, c'est qu'en fait, comment vous dire que, par exemple, actuellement, on peut considérer que ce que font les Soviétiques en Ukraine, c'est un peu une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire que, bon, quoi que non. Parce qu'ils n'ont pas gagné encore. S'ils gagnent, ce serait une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire qu'en gros, c'est gagné, mais en ayant subi des pertes colossales. En fait, c'est une guerre qui est. C'est une guerre gagnée dans le sang, quoi. C'est grosso modo, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est quand tu gagnes une guerre en ayant gaspillé des sommes colossales et en ayant perdu. Mais genre des centaines, voire des milliers même de soldats quoi. Genre c'est une victoire pour laquelle tu te vantes pas. Tu dis on a heureusement qu'on a gagné, mais voilà, ça s'arrête là. Mais une victoire à la Pyrrhus, c'est un peu ça en fait. Lui, clairement, il est là-dessus. Hein. C'est vraiment. Lui, c'est victoire à la Pyrrhus ou rien. Mais bon. Du coup, lui, on l'avait mis une branlée, il l'a mal digéré. Alors c'est quoi ça? La conception du personnage de Manfred est adaptée de l'idée originale de Miles, celle d'un ancien procureur rival de Wright. La cravate de Manfred est, fait également allusion à l'influence qu'il a eue sur l'étude de. Alors, du coup, on va dire de Hunter, parce que nous on l'appelle Hunter. De plus, lors de ses débuts en tant que procureur, Hunter porte une tenue de style très similaire à celle de son mentor. Manfred a gagné une animation dans la série S Attorney lors de son apparition dans Gyakuten Kenji 2. Le jeu montrera parfois un sprite zoomé de lui dans le style général réservé aux protagonistes et rivaux. De plus, son sprite choqué est une modification de celui vu dans Phoenix Wright et Satone. Il recule sous le choc mais ne tient pas son épaule car il n'aurait pas encore été abattu dans cette épaule. Le son du claquement de doigts perçant de Manfred Nogara apparaît également comme un effet sonore dans un autre jeu. Les trois apparitions physiques de Manfred dans la série à ce jour ont tous été dans leur chronologique inverse. Turnabout Goodbye se déroule en 2016, Turnabout Reminiscence en 2012 et le cas de Flashback The Untamed The Inaugurated Turnabout se déroule en 2000. Bien que les gens disent que Von Karma est décédé à un moment donné, entre Turnabout Goodbye et Réunion et Turnabout, l'adaptation animée de ce implique qu'il est toujours en vie et emprisonné à la fin de l'épisode Réunion. Ok, d'accord, c'est très long, trop long. Trop d'infos, trop de trucs. Il fera des semouches. Alors, début de carrière en droit. C'est vrai que ça serait intéressant de jouer Hunter. Ça pourrait être intéressant. Enfin, moi, j'aimerais bien. Il y a eu une vie marquée. Hein. La série Phoenix Wright était pas mal si vous la regardez d'ailleurs. Enfin, moi je trouve que le dessin animé passe bien. On fait des longs lives sur Phoenix Wright hein, pour ça. Mais j'aurais bien aimé d'ailleurs jouer aux autres, mais ils sont pas en français et. En vrai, je pourrais perdre mon temps dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action. Genre, c'est pas comme dans les autres jeux où genre, je suis en pleine action, je suis obligé de lire les sous-titres et après je dois traduire les sous-titres dans ma tête. Là, il n'y a pas d'action physique donc. En vrai, je pourrais. Qu'est-ce qu'on a par contre sur l'autre? En plus d'être le seul procureur jurable de la série S à ce jour, alors du coup, Hunter est le seul procureur à ce jour à avoir des clips vocaux pour Takeat. En fait, lui et Arcel Layton sont les seuls protagonistes de la série à ce jour qui ne sont pas des avocats de la défense. Parce qu'il y a un Layton, la joueuse est l'un des procureurs à avoir obtenu un verdict de coupable à l'écran qui n'a pas été annulé par la suite, le second étant Sébastien. De Best, je sais pas c'est qui. Il est également le seul à ce jour à l'avoir fait canoniquement contre un avocat de la défense contrôlé par un joueur. Dans le même ordre d'idée, il est également l'un des deux personnages, l'autre étant Apollo Justice, à avoir réussi à vaincre Phoenix Wright devant le tribunal. Bien que dans les deux cas, Wright ait été victime de chantage pour qu'il poursuive un injuste, mettant en jeu la vie de Maya Fey. Sa voiture est une Mazda RX-8. C'était important à préciser ça. Je suppose que c'était important. Tu sais pas. Des fois, il y a des infos qui tombent du ciel, tu sais pas trop pourquoi. Bah, Sébastien De Best, ça me dit rien du tout, lui. Si, Herschel Layton, bah, c'est Professeur Layton. C'est ce qu'il fout là, lui. Il y a eu un crossover entre Phoenix Wright. Parce que je crois qu'il y a eu un crossover entre. Si, il y a eu un crossover entre Détective Conan et Lupin 3. Je crois qu'il y en a eu entre Professeur Layton et Détective Conan, mais je savais pas qu'il y avait eu. Ouais, même temps.
Ce que je viens de dire, il y a 2 secondes. Pour une fois qu'on est d'accord. Non mais vous êtes des, sal vous êtes des salopes de père en fils, c'est autre chose ça. Quand une néo-nazie essaye de prouver qu'elle a raison. Surdoué, elle est conne comme un balai. J'ai déjà mis une branlée, hein. Si tu veux te faire vite fait, on peut recommencer. Hein. Alors, un peu d'artifice légal. Oh, on est déjà venu là. Hop. Putain de merde. Hein, loge d'accro. Je m'appelle Oleg Loche. 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 Oleg Non, je veux ça. Oleg Loche. Attends. Oh. Le. Cloche, ça veut rien dire. Enfin, bon. Accro, accro le cloche, le groche accro. Non, ça veut rien dire. Ok, d'accord pour plein de tasses, mais les deux ados, ça fait partie du taf. T'as ce visage. Ah.
Pas rien, j'ai trouvé mon premier enculé. Pourquoi vouloir me cacher des choses? Que ça n'a aucun sens, voyons. Parce que. C'est un peu douteux parce que il n'y a aucune raison de me cacher des trucs. Mais j'ai pas d'infos sur lui, faut que j'interroge les autres. Attends, il est au troisième étage, un bruit pour nous. Sa fenêtre, c'est peut-être lié dans le bout, un buste auquel on aurait mis une tenue un peu étrange, rappelant Max, qui ensuite s'est envolé. Je crois avoir compris ça. Alors, pour l'anecdote, je n'ai jamais fait de point comme ça. J'ai fait le premier épisode, je m'en souviens, sur DS, le règle la fille. L'ombre de Max. Ouais, c'est là, je m'attends à ce qu'ils me maudissent avec des incantations amérindiennes. On est d'accord qu'il a des problèmes. Il a des gros problèmes. What? Prendre un bateau et aller s'installer sur un phare au milieu de l'océan. Bah que c'est une... Comment on appelle ça déjà? Quoi? Huh?
Elle s'est fait larguer. Elle a fait son nom. Elle les tient, elle les mène par la baguette. Comment on appelle ça? Chez Bagheera. Ah non, c'est la panthère, mes gars. On est d'accord que c'est une putain de Barbie, non? C'est une magical girl. Après peut-être que c'est une façade, c'est un moyen pour elle de pouvoir affronter le truc. Pendant un moment, ouais, jusqu'à ta mort, techniquement. Alexa, au Japon, combien de procès se terminent par coupable? Traduit de Bartleby.com. Dans les procès pénaux japonais, environ 95% des accusés sont reconnus coupables. C'est pas 99, je suis désolé, je vous ai dit une connerie un jour. Mais 95%. Phoenix, toi t'es les 5% restants. Cette fille a été bercée trop près du parc Walt Disney. Je suis mignon. Attends, tu lis dans les pensées? Thank you.
a mené l'enquête. On va tous s'y mettre. Attendez, il y a un problème. Voilà. Non, c'est bon. Ça va bugger légèrement, mais c'est bon. Il y a 6 mois. Ah.
Oh là, on va. Aïe. On va. Le singe. Ah, deux sur un singe, ça va le faire. On va donner ça à cette petite map. On va dire que chez Monet. Ah. Essayons la danse. Pour essayer de la passer. Ça va marcher. Ah, on va essayer un autre truc. Ah bah ça a marché. Ça parlait de singe à chambre. Costume de scène ajouté au dossier. C'est important de préciser que c'est pas du tout à la taille de Maya. C'est très important visiblement. Il nous cache rien quand même. C'est parce que le lion il peut rentrer dedans mais pas maintenant. J'ai débloqué un truc avec ça. Il a été tué. Encore un coup de ça. Il m'a répondu. Ah bah nickel, demain on pourra faire du co-trader, nickel. Moi là je suis encore en train de trouver une essence d'un magicien. Je suis à un stade où vraiment genre je vois un mec qui se fait frapper par sa marionnette. Une Barbie Magical Girl qui dompte des lions et des tigres. Un acrobate en fauteuil roulant et un clown qui fait pas des blagues. Si j'arrive à un stade de ma vie, je me dis. Du coup on pourra faire pour être trader parce que ça n'a pas enregistré de trucs. Mais du coup là moi je reste en là je vais finir un peu mon prochain X-File, j'essaye de comprendre. Galère ce thème. Pardon, je change de thème. Ah oui d'accord, en gros je sais monsieur le loyer il a pris un fusil, ramène ta gueule ici. Léon tu vas rejoindre Mufasa. C'était il y a 6 mois. C'est pas en lien avec avec ce qui est arrivé à l'autre. Ça pourrait être ça. C'est un mec en fauteuil roulant, évidemment, ça ne peut pas être vraiment.
moi je suis un gros héros, hein. Comment voulez-vous que j'ai pu tuer Monsieur Loyal? L'autre côté, t'as une magical girl qui visiblement n'a rien à foutre de son personnage, ou alors c'est le façade, j'aurais pu donner un peu joyeux, etc. Mais en fait, la meilleure, elle est privée. De l'autre côté, il y a un con qui va faire de blagues qui se demande s'il devrait reprendre le tir. Ça va couler, mec. Hein. Et à côté, t'as un ventriloque qui se frappe lui-même en théorie. Ça m'arrive de mettre des droites dans les gueules constamment pour le remettre à sa place. C'est qui? Ils sont tous suspects pour moi. Tout le monde est suspect. On va aller voir l'eau. Vous avez pas tout dit, monsieur. Je suis sûr que c'est bien. Ça doit être lié à l'accro. Ça doit être lié à la croix. Les deux, moi je préfère le poulet. On est plus là, là je joue ma carrière. Hein. J'ai regardé les points qui me restent. C'est ça et ensuite c'est lié à l'accro. Allez. Putain la gueule qu'il a d'un coup. Lui, on ça se dit ne jouez pas l'huître. Il a dit lui, il a pas dit elle, donc c'est un mec. Ça réduit le champ, ça en fait une de moins. Donc, il reste que Mike, mais il n'y a pas suffisamment de morts. C'est un accident de morsure. Et bien, du coup, il y a un peu plus. Boule la vérité. Yes. Ok, je vais faire un peu de crédibilité. Moi, c'est une réponse claire.
pas drôle, enculé. Peut-être que quelqu'un a versé du poivre sur le nez du lion et que du coup il a fermé sa gueule parce qu'il est fermé. On pourrait expliquer ça. Nous on va s'arrêter là pour ce soir, à mon avis ça me semble bien. Je crois qu'on pourrait peut-être confronter. On pourrait aller confronter quand même à trop. Ça serait bien pour finir. On va faire ça. On va faire ça. Alors. Mais c'est vraiment une bizarre pour le vidéo. Par n'importe qui, bordel. Il a trois verrous quand même, c'est pas rien. Ah, le métier d'avocat non plus n'est pas sans risque. Vous l'entendez? Ouais. Avec l'autre pain bêche. Oui, mais toi, homme de la terre, mais moi, avocat et avoir ma katana, c'est pas un Amérindien qui va me faire peur. Vous prétendez que je suis fait attaquer par un lion? Mais je suis un acrobate, je ne suis pas un dompteur à la vue d'un lion, je prends les jambes de mon cou. Que le mot attaquer soit le bon mot. Je crois que vous avez lutté avec le lion, putain. Lui, homme de la terre, lui, lutter contre les lions et les jaguars. Mais c'est un petit plaisantin, vous avez raison, parce qu'il le fallait, il le fallait parce qu'il avait lutté. Là, là c'est clair. Votre frère était une véritable tragédie. Vous avez tenté de le sauver, n'est-ce pas? Et c'est de là que viennent vos blessures. Comment j'ai brisé le troisième? Ah, quoi qu'avec peut-être Monsieur Loyal, le fait que ce soit lui, ça pourrait être ça. Ou Monique, parce que du coup, c'était... Attends. Ah, l'assassin, vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a 6 mois? C'est de la preuve de ce qui s'est passé. C'est pas au féminin. Ça pourrait être ça, remarque. Parce que Monsieur Frisé, bon, il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Ça pourrait plutôt être Monique. Il doit y avoir eu un truc peut-être avec du poivre sur le nez du lion, un truc comme ça. Bah oui.
avait une dent entre mes dents. Ah là, je perds 4 points de crédibilité si je me mets. Quel cruel. Qui chic. La puce monique n'avait aucune raison de vouloir du mal. À l'époque, Elisabeth était au grand génie. Qu'il l'a récupéré chez lui, ce mot. Donc forcément, ça vient de chez lui. Enfin, elle était partie dans la chambre d'accro, elle est repartie ensuite. Et elle avait ce mot dans la poche. Elle voulait peut-être tuer Monique à la base. Il. Yes. Donc je perds. Petit Formel avait fait un pari avec Monique. Un pari stupide. Tu m'épouseras, c'est ça? T'as des fous, Mike. Ah! Ça va, c'est Mike. C'est vrai, c'est une chose de grand jeu. Et il avait fait tellement de. Alors, tu vois, genre. Un jour il ouvrira les yeux, ce qui me pousse à survivre. Les grands amis, n'en ayez pas plus par hasard. Je voulais vous montrer ça. Là, c'est l'écharpe que mon frère portait quand il était invité par lui. Et toi, tu gardes ça avec moi. C'est Monique qui a offert cette écharpe à mon frère le jour de l'exil. Donc il a fermé sa mâchoire. D'où le poivre dans la boîte. En fait, c'était Monique la cible. Mais va niquer ton poivre. Non. Pauvre, le mec qui marche à la baguette. Ouais. Ah ouais, j'ai pas mal de bons trucs là. Ah bah on a bien fini au moins. Je suis persuadé que ce qui s'est passé c'est qu'il y avait du poivre sur l'écharpe. Et quand Afro a mis sa tête, enfin quand Bait a mis sa tête dans la gueule du lion, bah le lion a éternué, mais quand t'éternues, bah tu fermes ta mâchoire. Et lui, il a des putains de canines tranchantes. Et il l'a mordu. Oh, putain, le pauvre lion, il est exécuté. Alors qu'il avait rien fait de mal. C'est fou. Et du coup, tout s'emboîte, tout s'explique. La cible, c'était Monique. Mais c'est Monsieur le Royal qui est allé au rendez-vous, pas Monique. Et bah, en fait, ils ont dû utiliser le buste pour tuer Monsieur le Royal. Genre le mettre en hauteur et le faire tomber d'un seul coup. Ce qui a dû le tuer sur le coup, quoi. Et ben c'est comme ça qu'il est mort. Alors peut-être qu'une vengeance d'accro, ce serait logique en soi. Parce qu'il a perdu, il voulait venger son frère en tuant la femme responsable de sa mort. Mais à la place, il a eu Monsieur Loyal. Et justement, c'est pour ça qu'il trouve que c'est terrible cette mort. Parce qu'il ne visait pas Monsieur Loyal.
Il voulait peut-être certainement envoyer Monique dans le coma comme son frère a été envoyé dans le coma pour qu'elle comprenne la gravité de ce qu'elle a fait. C'est extrême comme fonctionnement, je vais pas vous mentir, c'est très extrême. Tu vois, combien de sauvegardes? 10? Pas mal ça. Très extrême. On s'arrête donc là, passez une bonne soirée, bye tout le monde!